La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine, c'est qu'elle n'est pas pour même qui remet l'évangile ou même qui cherche un sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est canal PAO. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données aujourd'hui. Jodi a se 19 octobre 2021, n'a offri ou deuxième édition pour semaine sa a du lait spirituel. Le lait spirituel est présenté sorti lundi rivé vendredi par votre frère, votre ami, votre serviteur au reste Coulonge, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a mandé ou pour abonner avec nous dans l'émission. Ça n'a pas apprécié si vous faites ça. On nous prie pour l'émission ce matin. Seigneur éternel, nous glorifions nos matins. Nous exaltons nos matins. Parce que c'est bon Dieu nous. Ou remet nous. Ou protéger nous. Ou pardonner nous. Et aux fidèles envers nous. Nous avons aidé chaque monde qui est un ami de notre émission de l'est spirituel. Béni yo, béni famille, et permettre que nous toujours en mesure pour nous répondre à rendez-vous nous gagner avec yo, sorti lundi pour arriver vendredi. Béni nous et fait de nous un instrument dans main. Fais de nous une source de bénédiction. Au nom de Jésus, notre prions Père. Amen. Nous va lire matin 1 Samuel chapitre 1er verset 20 rivé dans verset 28. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sevré. Veille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux. Ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne monta. Monseigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, Monseigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'est pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel, parole du Seigneur. Samuel, un enfant prêté à l'Éternel. Samuel
Non seulement c'est un enfant miracle, mais c'est aussi un enfant prêté à l'Éternel. Anne, après des années de pleurs, de souffrances, de douleurs, d'amertume, bon Dieu pensait à lui. Il t'apprend enceinte et by naissance à un petit garçon qui lui-même relaie Samuel. Et Anne prend résolution pour petit garçon ça, lui prêter à l'Éternel. Comment Anne a fait prêter bon Dieu un petit garçon que bon Dieu lui-même fait Anne cadeau? En général, ou prêter un monde, c'est lorsque le pas gagné. Ou prêter un monde qui n'a besoin. Est-ce que bon Dieu t'es besoin un garçon? Et Anne ouais bon Dieu n'a besoin, lui décider prêter le petit garçon là Samuel. Point du tout. Au contraire, c'est bon Dieu dans amour, dans compassion, dans grâce infinie qui choisit fait Anne cadeau Samuel. Et Anne lui-même lui décider retourner Samuel by bon Dieu. Parce que Anne lui dit m'a prêté là. Il va rester devant l'Éternel pour tout temps. En général, les moun prêté ou li pas prêté pour tout temps. Gagnon l'heure pour remettre sa zami en prêté ou là. Tandis que Anne lui-même lui dit m'a prêté l'Éternel Samuel et Samuel va arrêter la caille bon Dieu devant bon Dieu pendant toute sa vie. À bien comprendre, Anne, l'elle dit la prêter bon Dieu Samuel. En réalité, c'est comme si Anne fait bon Dieu cadeau Samuel. C'est bon Dieu by Anne Samuel et Anne décide l'elle fin sévrer Samuel pour le remettre li by bon Dieu. Ça, son exercice qui mandait en pile la foi. Anne gagne un seul petit. Anne pas gagne garantie la gagne un lot petit. Elle fait avec en pile difficulté après en pile humiliation. Et Anne décide mette Timon sa au service de Dieu dans le temple pour toute sa vie. Lorsque Anne dit la prêter l'Éternel Samuel pour toute ville, seule petite qu'elle gagnait jusqu'à présent, est-ce que ça pas fait nous penser à Jean 3:16? Qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a donné son Fils unique à cause de son amour. Anne
à cause de son amour pour Dieu, il choisit bail son fils unique à Dieu, son premier-né, son premier fils, à ne pas gon deuxième, mais il décidait prêter l'Éternel son fils Samuel, et ceci pour toujours. Quelle foi! Cette décision d'Anne pour prêter à l'Éternel son fils Samuel, libre nous idée qui type de femme Anne était. Une femme de prière, une femme de foi, une femme reconnaissante, une femme qui remet bon Dieu. Parce que côté gen l'amour, gen bay, et l'amour bay toujours, ça qui très cher à lui-même. Anne, sans personne, pas d'il pour le bail bon Dieu, ti garçon ça, li prend résolution pour le bail. Et en donnant Samuel à l'Éternel, ou en prêtant Samuel à l'Éternel, Anne va kembe promesse qu'il te fait dans 1 Samuel 1er verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Bien avant même que servante là t'es enceinte, il t'a déjà fait un vœu à l'Éternel, si au bon moins un enfant mâle m'a consacré le barou pour tout jour dans la ville. M'a mettre à part pour vous. En un mot, souvent moins un garçon m'a retourné le barou. M'a consacré le barou. M'a remettre tout. M'a fait arrêter la caillou. Donc là Andy lui prêter l'Éternel Samuel, Ante su et certain, c'est cadeau. Il te fait l'Éternel cadeau Samuel. Après Anne fin sévrer Samuel, lui monter avec sa famille dans la maison de Dieu à Silo. Samuel était encore tout jeune. Après au fin offrir des sacrifices, Anne prend la dressel à Eli. Et pour lui dire Eli, c'est moi-même qui t'ai ici à prier. Bon Dieu. Et c'est pour petit garçon ça que me déconne prier. Et bon Dieu exauce prière. Et kounya moi vle prêter bon Dieu petit garçon ça. 1 Samuel 1er 28. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Voilà. Andy Sam Eli, moi prêté l'Éternel Samuel, et c'est un prêt
qui fait pour toute la vie ti garçon ça. Bon Dieu pas besoin remettre moi Samuel parce que moi prêté bon Dieu et pendant toute la vie de Samuel il va rester un cadeau que moi-même m'envoie. Moi bye bon Dieu. Frère Axemio Samuel un cadeau que bon Dieu bail Anne et Anne en retour la retourner cadeau ça bail bon Dieu. Je dis à nous gon tendance ça bon Dieu ban nous le net ça bon Dieu ban nous nous penser c'est nous souhait pour lui. Et nous pas voulons retourner en rien là-dedans, by bon Dieu. Anne décide retourner cadeau bon Dieu de Balial, tunnel 100% à l'éternel. Li by bon Dieu 100%. Sa bon Dieu de Balial, li retourner Samuel, by bon Dieu. Donc, ça dit nous, comment Anne. C'est comprendre bon Dieu ça et bon Dieu en retour pral fait un d'autres surprises dans 1 Samuel chapitre 2 verset 20 et 21 nous lit parole ça yo Eli bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournaient chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta trois fils et deux filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Lorsque Élie le sacrificateur, ouais, la foi d'Anne, sa reconnaissance en prêtant à l'Éternel son jeune enfant Samuel, Élie pral béni Elkana avec Anne. Pour dire c'est pour bon Dieu faire gagner petite pour remplacer petite ça qu'on prête l'Éternel c'est pour bon Dieu remplacer c'est pour bon Dieu multiplier donc ça que ou bali après ça que ou bali et bon Dieu pral visiter Anne li pral bali en remplaçant de Samuel trois autres garçons et deux filles Anne prête l'Éternel yon timoun qui c'est Samuel et bon Dieu pral bali cinq lotes. Voilà les dieux que nous servons. En prêtant Samuel à l'Éternel, Anne pral sorti gagnante. Anne pral sorti victorieuse parce qu'elle a recevoir cinq fois plus. Ou pas qu'à bail bon Dieu plus que ça ou recevoir normal. Samuel, un enfant prêté à l'Éternel. Lorsque Samuel était l'unique fils de sa mère, li bay bon Dieu li. Et bon Dieu en retour, que moun pa ka bayel plus que ça, li barou, li remet li cinq fois plus.
leçon nous capable apprendre matin, hein? C'est pour nous prêts pour nous bailler bon Dieu salban nous. Pour nous prêter bon Dieu salban nous. À nous consacrer Samuel à Dieu. À nous prêter son enfant à Dieu. À nous donner son enfant à Dieu. Et en retour, lui recevoir 5 fois plus. On pas peur. Bye bon Dieu, on parti dans salban nous. On pas peur, bye bon Dieu, salban nous. Parce que c'est nous même qui a béni l'en fait ça. Et c'est ça nous renan an, li prêté l'Éternel Samuel et l'Éternel pral bali en retour en remplaçant de Samuel 3 garçons et 2 filles. On gagné yon passion pour l'Éternel comme Anne, en reconnaissant envers Dieu comme Anne, et en baillant bon Dieu dans la bénédiction que le bon nous. Que bon Dieu bénisse matin. On prie bon Dieu. Seigneur Éternel, nous venons devant matin. Nous nous remercions parce que son bon Dieu qu'on baille. Ou prend plaisir ou n'en baille. Il est ou bay le meilleur de son procédé. Ou bon nous Jésus-Christ comme un cadeau et à travers lui-même nous gagne la vie éternelle. Ou te bay Anne Samuel. Et le fait que Anne te retourne le barou ou te bay 5 autres timoun. Parce que son Dieu qui remet bay. Matin nous merci pour parole sa yo. Et moun ki pa tremen bay permet ki yo comprendre les recevoir nan men c'est pour yo ba ou en retour. Et matin nous dou merci pour l'évangile. N'a pris en façon spéciale pour les missionnaires américains canadiens et les compatriotes haïtiens qui t'ai accompagné yo qui sont 3e jour yo en otage. Dans mes terroristes, dans mes bandits, dans mes kidnappeurs, gen bébé, gen timoun, gen adulte, gen fille tant kou garçon. O Dieu, ou kon libéré les captifs. Et maintenant nous prions pour libération yo. Nous prions Seigneur pour toucher cœur. Si la yo ki kidnappé yo pour yon libérer yon sans condition. Nous prions pour Haïti. Nous pas qu'à porter réputation comme un pays qui charge avec bandit, avec kidnapper, avec méchant, avec terroriste. O Dieu, transformer les criminels, les bandits. Et ça va permettre nous un pays qui transformé. Trop de mauvaises nouvelles dans ce pays. O Dieu, nous paraître l'aide devant les autres nations et permettre que Haïti sorti dans un passe lié là, un passe politique qui permette que bandio il a pris extension et a embarrassé nous devant étrangers. Guéri pays nous et permettre que nous gon l'autre Haïti côté moun ka vive dans kou moun côté la rue a pas piégé et côté moun ka circulé sans inquiétude. Bénis les amis du lait spirituel. Aidez-nous dans la vie spirituelle, protégez-nous. Fais provision et permettre comme Anne pour nous reconnaître envers. Bénis-nous, bénis cette émission. Au nom de Jésus, nous t'en prions, Père. Lui qui vient, qui règne, dès à présent et pour toujours. Amen.